Catherine? Ok. En fait, regarde, il y avait la Raven, moi bon, qui voulait que Raven. Ok. Et du coup, le millionnaire, il voulait prendre soit Kata, soit Ariana. Bon, il y a Kata qui s'est fait ban. Et du coup, j'ai dit, prends Ariana de toutes les façons, Ah parce que comme d'accord. ça, il y aura le shield de Raven qui pourra engager avec le shield d'Ariana. Et du coup, il y aura vraiment un teamfight vachement abusé avec l'ulti de H. Enfin, en gros, on a un kit assez intéressant, avec des dégâts assez hybrides, quoi, AP et AD. Ok, ouais, Ton parce équipe est que beaucoup plus AD, hein. moi, la Lux, là, en fait, c'était un main Zed Yasuo. Il s'appelait Zed. Quoi, il s'appelait comment? Zed Yasuo, genre un truc comme ça, bref. Ah, Et je sais le pas. problème, l'équipe est full AD. Du coup, je lui ai dit non, mec, tu peux pas sortir ton truc. Go, va prendre une Lux. Lux est vraiment très très fort, je trouve. Et en fait, je lui ai dit, mais. Parce qu'il me dit, non, j'ai pas besoin de ban. Je suis comme, t'es sûr, Kassadin et Katarina, ça te fait pas peur, genre? Il fait ouais, vas-y, ban Katarina en fait. Du coup, on va voir comment ça se passe. Alors, donc oui, salut tout le monde, désolé, on était en train de parler. C'est le coach abonné, Silver. Non, Bronze Silver là? Oui, c'est Bronze Silver. Oui, c'est Bronze Silver cette semaine. La semaine C'est bon, prochaine, Silver, oui, c'est ça. Silver Gold. Et la semaine d'après, dans 2 semaines, ce sera le Gold Plate. Du coup, à la top lane, nous avons une Riven contre un Tryndamere. En jungle, nous avons une Evelynn, la nouvelle Evelynn, contre un Jax, oui, c'est ça. À la mid lane, Orianna contre Lux. Et bot lane, nous avons un ADC avec un Ornn support. Ornn support, alors. Je suis encore mitigé sur sa capacité à support. Je pense qu'il faut vraiment être Orne. bon dessus. Après, avec une hache, ça peut être ultra intéressant. Alors, faut savoir que Orne, il a été bien bien buff le patch Ah précédent. oui? Ok. Oui, ils ont augmenté sa portée de 50 sur la collision, je crois, sur son E. Ça, c'est énorme Ah parce qu'avant, oui. on avait l'impression de sauter, Oui. d'être en face du mur et qu'il se passe rien en Oui, fait. c'est vrai. C'est vrai, ça c'est très bien. Maintenant, maintenant, on peut plus facilement mettre des E sur Ah, les c'est murs. beau. Parce qu'en vrai, Ornn, j'adorais le jouer. Vraiment un champion ultra agréable. D'ailleurs, je vais peut-être le racheter. Bref. Du coup, on va voir ce qui se passe. Et en face, c'est une Tristana. Et Soraka, du coup, ça va être une lane de farming. Ça va être. Alors là, le problème de mon équipe, c'est que c'est vraiment une équipe qui, comment Alors, ton dire, équipe, c'est la bleue, on qui est rappelle. dépendante du niveau 6, hein. Oui. Ah, oh, c'est vrai, dis donc. Ton niveau 6 est Mon équipe complètement insane, hein. est ultra dépendante, Oh! La vache, ça passe niveau 6. T'as tous les kills là, tu fais un ace, hein. Oh, ça va être. C'est ultra dépendant. Après, ils peuvent se faire rouler dessus en début de partie, ça dépend. Ah ouais, non, le Faut niveau 6 profiter. Et après, sur ton équipe H aussi, elle Ornn. scale. Hein. Waouh. Jax Tristana, ça scale de ouf. Non, c'est vraiment trop intéressant le combo H Ornn en vrai. Ok, le Tryndamere qui fait vraiment des bons trades. Parce que là, le Ornn, il va faire son ultime. Juste sur l'arrivée de son ultime, ils auront le debuff. Donc H va pouvoir faire son ult. En plus, ils seront ralentis. Oui, L'ult va durer plus c'est. longtemps. Oh, ça va être trop Oui! trop bien. Oh, ça va être C'est pour vraiment. ça que j'ai demandé de prendre Ornn en fait, parce que Ok, je voulais que nice. dans mon équipe il y ait du contrôle. Et il n'y a Super que bien joué. Ashe qui peut faire Proxa ou Riven par exemple. Ah, oh, ça me donne trop envie de jouer Ornn. Je vais l'acheter, je vais l'acheter. Mais le ulti de Ashe, je sais pas, il peut durer 4 secondes ou 5 secondes. Ça va être insane, hein. Si. Parce qu'ils vont pas prendre de bot Mercure en plus. Ah, oh, ça va être trop drôle. Ça peut être emmerdant pour eux. Ça peut être super bien. Alors, la nouvelle Evelynn, j'ai joué une fois contre, je crois. C'était un peu compliqué. Je trouve ça monstrueusement fort. Après, je l'ai jamais joué, mais c'est un peu abusé quand même. C'est vrai qu'elle fait mal. Après, elle était ultra squishy en fait. Genre, moi j'avais réussi à la one shot. Et je sais pas, elle a plus de bouclier avec son ult là. Oh, et des. Non, elle a plus de bouclier maintenant, Donc mais il y a ce elle est plus téléport. squishy là. Ah ouais, mais c'est vrai que son ult par contre lui permet de partir en retraite. Du coup, plus ou moins, ok. Bon, en fait, j'ai vraiment pas regardé Oh, les attention! statistiques du personnage. Gank sur la Riven. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage, on a tout de suite jump sur la Riven. Du coup, on n'a pas réussi à faire le stun parce qu'on a fait le stun en même temps du jump. Et il y a un tout petit délai avant de refaire le E. Dommage parce que là, le gank, le timing était parfait. Là, c'était un kill normalement. Là, c'était vraiment un kill. Enfin, une petite parenthèse, Oui. Ornn qui garde ses targons un peu trop longtemps en fait. Il a toujours pas profité de faire proc. C'est vrai. Du coup, il met pas en cooldown l'objet. Alors, le targon, Et on il rappelle perd que c'est de l'item l'argent. support que a Ornn en fait. Et il y a des stacks qui se remettent Charge toutes les minutes. naturellement. Et en fait, dès qu'il va finir un sbire, ça va donner aussi les golds donc à lui et à son su et à son ADC qui est proche. Mais c'est pas forcément son ADC, ça dépend celui qui est proche de lui. N'oubliez pas, le Targon, c'est mieux de l'utiliser contre les sbires mêlés parce qu'il donne plus de gold.
Et le meilleur des cas, c'est sur le canon qui donne encore plus de gold aux deux. Du coup, c'est encore plus rentable. Donc on évite de le faire sur les sorciers, mais des fois on a peut-être pas le choix. En gros, il faut considérer que si on targon le sbire canon, on va gagner donc le double des gold pour le carry et le support. Ça peut faire entre 90 et 100 gold en fait. Oui, pour oui, c'est sûr. Qui est énorme. Attention, on a fait l'ultime sur le lead knight sur Jax. On n'a pas réussi à faire le charme de la Evelynn. Donc on a fait Flash Ignite. Ah ça par contre c'est une horreur. Parce que là la Riven a fait Flash Ignite et elle a pas eu le kill. Donc là elle va être dans la merde. Ok, le heal a été claqué pour la hache. La Tristana qui se débrouille, ça part aussi à la top lane. Là la Riven par contre prend un kill et ça par contre c'est très mauvais. Ça c'est très mauvais, on a fait le ghost pour en plus stream damer. Aïe 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 aïe. Là la Riven qui vient d'avoir un assist plus kill, ça commence à être compliqué. La Soraka qui balance ses Q pour régénérer avec son Q en fait, qui va lui redonner des points de vie. Sur la durée, donc c'est très important avec Soraka de faire des Q en fait sur les ennemis, ça marche pas sur les sbires hein. C'est vraiment juste sur les champions et c'est pour ça que c'est très important de le faire et de pas rester derrière. Attention, le Trindamer qui est niveau 5, la Raven qui est niveau 6, elle peut sortir un énorme burst. Attention, ça peut partir très vite. Oh, oh là là. Faites très attention au niveau 6 les gens. Le niveau 6, même si elle avait que 30%, c'est comme si elle avait 50 avec son bouclier et son ult en fait ça fait du 30%. Du coup c'était 50-50. Elle a 2000 gold la Riven hein. Et là la Riven en effet ah la vache, 2000 gold. Elle a déjà 600 gold de plus que le Trindamer. Après c'est du late game. Je leur avais dit hein, la Riven si elle est faite c'est dans la merde. Ils sont un peu dans la merde. Après ça va être compliqué de... C'est un peu embêtant. La Riven s'est jouée, hein. La Riven s'est jouée, elle fait des très bons combos et de trade. C'est assez intéressant. La Evelynn par contre qui a du mal à finir son stuff là. Attends, quoi? La Evelynn elle a mis 1000 gold sur elle. Part direct sur... Elle finit même pas son item jungle. Oh attention, la Tristana qui essaie de... Ouh, ça par contre, c'était ultra chaud. Parce qu'elle pouvait pas finir la hache, je pense. Donc le flash a été craqué. Ok, c'est agressif, hein. Ils sont ultra agressifs. Hein. Oui, oui, oui. À la mid lane aussi. Oula, Orianna, le double de farm de la Lux. Oh. Ok, la Lux va rattraper un petit peu son retard à la back. Elle a acheté son tome de mana. Ils vont acheter à peu près la même chose. Ah non, d'accord, là Orianna a les bots en plus. C'est déjà presque 1500 gold d'écart à peu près. Ce qui est beaucoup déjà. Ouais, ils ont 500 gold d'écart. Entre la Lux et Orianna, enfin, ça fait beaucoup. La hache a pris tout de suite sa BF, mais elle a pas de bot. C'est pas très gênant de pas avoir de bot tout de suite dans la partie. C'est vrai que c'est bien d'avoir une BF, vu qu'elle avait vraiment pas de dégâts. Elle avait pris un Doran Shield pour justement compenser ce manque de heal du Horn et de bouclier. Et oui. Surtout que Tristana a pas mal de range. Au début, par contre, je connais pas la range de Tristana. Est-ce que c'est à peu près équivalent à celle de hache? Alors en début de partie, la range de Tristana est un petit peu courte, mais Ashe elle attaque de très loin en fait, oui. Elle attaque à 600 de range. D'accord, ok. Et Tristana elle doit être à 500... 500 mais quand 500 même, c'était important attaque. D'avoir le Doran Shield pour J'ai éviter le, les trades un petit peu trop agressifs, parce qu'on pouvait vraiment être très agressif de la part de Tristana, parce qu'on savait qu'il y avait une Soraka derrière. On se prend pas mal de dégâts de la part de Lux. Attends, on va se faire ulti là. La barrière qui a été super bien placée, qui a vraiment tanké les 100%. Oh, là, super bien. L'Arena a vraiment très bien joué. Par contre, on n'a pas respecté les dégâts de la Arena. On était à 50% de points de vie. Et on était à 2-3 mètres de la Lux. C'était pas ouf. Le charme qui va pas se mettre à temps. On a un ultime de la part de... Trindamer, il peut rien faire. Il a voulu mettre des dégâts pour pas se faire trade aussi facilement. Et un petit peu embêter la Evelynn. Le problème, c'est que la Evelynn, son ultime... a fait beaucoup de dégâts. Super beau E de la part de Jax qui va faire un gank sur la botlane bleue. Est-ce que la hache avait un heal? Le Jax va sûrement mourir. Non, un très bon ult de la part de Soraka qui les bait jusqu'à la fin et c'est ce qu'il faut faire. Vraiment utiliser vos heals au dernier moment pour justement bait le plus de CD possible. On a une Orianna qui a téléporté. Non, qui a fait tout le chemin. Alors je sais pas d'où elle sort. La Tristana qui va pouvoir jump et s'en tirer. Ça part vraiment dans tous les sens. Hein. Ça part vraiment dans tous les sens. Je voulais juste rebondir sur quelque chose. Vas-y. Il y a quand même mon équipe qui a acheté 3 pink wards. Là, il en reste plus que 2 parce qu'ils en ont posé une. Ok, voyons voir les. Mais. Vision de l'équipe bleue est très bonne.
Riven a bien placé sa ward. Oh non, Riven qui carrément le prend sous les deux tourelles. Oh là là, il se prend du farm. Aïe aïe aïe. Elle joue bien la Riven. Elle joue bien. Elle joue d'ailleurs peut-être trop bien pour un bronze silver. Ça me paraît louche tout ça. Ah, il va perdre sa tour. Il va perdre sa tour. Attention, la Riven qui n'a pas fini la tour. Elle va attendre qu'il ait plus son ultime pour faire son R et pour le finir. Super bien joué. Non mais la Riven non, elle joue trop bien un... là. C'est pas un bronze hein. On est d'accord, ok. Ah, je sais pas ce qu'il est classé. Après, je vois le niveau, ils jouent tous très bien. Franchement, ils achètent des pink wards. C'est... Après, en termes de build, je sais pas, il y a plein de choses à dire. Mais... Ok, attends, moi je regarde le niveau vision. L'équipe bleue a une très bonne vision. L'équipe rouge, par contre, c'est pas trop ça. Ils ont beaucoup de trinkets sur eux, regarde. Ton équipe a... Ah ouais, waouh, la vache. A 6 trinkets sur eux, la mienne en a que 3. C'est vrai. Du coup, c'est... C'est vrai, c'est vrai. Tristana qui a quand même acheté une control ward. Intéressant. Oui. Ça fait un petit moment. Ah, ça y est, Horde, il a quand même amélioré l'item support. Mais c'est trop tard en fait. Il faut au moins l'améliorer le plus tôt possible l'item support. Ah, il l'avait pas amélioré tout de suite. Ok, d'accord. Non, il l'a amélioré. Oh, attention, la Riven qui, la Evelyn qui va super vite. Le super ultime de Horn qui va toucher la Tristana. Est-ce qu'on a un ultime de la part de H? Pourquoi on ulti pas avec la H là? Ah, oh, c'est super dommage ça. Oh là là, la Evelyn. Alors, est-ce que son ultime. Combien ça fait? Attends, que je regarde les dégâts de... Son ultime, il peut frapper jusqu'à... Je crois que c'est... Ah ouais, d'accord. Ça fait plus de dégâts si la cible a 30% moins. Ah oh, d'accord, c'est pour ça que c'est un finish move de psychopathe. Du coup, au niveau 16, ça peut faire 800 dégâts magiques oh plus un ratio de 150%. Waouh, c'est vraiment insane. Attention, la Lux là. Faut... Non, non. Ouais, la Lux qui respecte absolument pas les dégâts. Oh. En fait, la Lux là, on voit que c'est de cet elo parce que on fait pas très attention aux distances en fait. Il y a le Jax qui fait l'Hérald quand même, ça peut. Qui... Ah bon, oui, mais Jax fait l'Hérald, mais. Il fait l'Hérald alors que la Riven est en train de dominer complètement le Trind, il a pas de vision. C'est super ballsy ce qu'il fait là. En fait, c'est à partir du moment où inlane est. Comment dire, snowball beaucoup trop, c'est plus rentable de faire des objectifs en fait. C'était ultra risqué de Jax là par contre. Hein. La Evelyn qui va quand même assez vite. Ouais, c'est très bon stun. Allez, on fait le Q sur les sbires. Voilà. Oh non! Oh non, trop pas de chance. Oh, super ult de la Soraka, bravo. Très bonne vision. Soraka qui vient de sauver son jungler. Tristana qui saute in. Qui esquive le E de Horn. C'est super bien joué. Le problème c'est que... Ah, elle a pas l'ulti. Hein. Ok, elle a pas encore l'ulti dans quelques secondes. Non. Attention, la Tristana qui... Est-ce qu'elle a encore son heal? Non, on a plus de... Si on a encore barrière. On n'a pas réussi à faire la barrière, on s'est pris des dégâts. Oh, c'est trop dommage. On avait flash barrière pour Tristana. Elle a voulu bait le dernier moment, mais je pense qu'elle s'est pris un coup critique de la part de H à la toute fin. Et ça l'a surpris. Oh là là, la partie qui part vraiment... Bon là par contre, 10-2. Ça va être compliqué de revenir. On a, en effet. On a 2300 gold d'avance sur Riven. Ça fait beaucoup 2300. Non, mais là, c'est un joueur qui permet hein, de dive. Tout même pas elle ulti, hein. Elle a pas, attention, elle est en cooldown. Elle a pas mais ulti, elle en a pas eu besoin. Non, non, de toute façon elle avait pas, mais. C'est risqué par contre de dive une Lux. Faut faire attention avec son Q qui peut vous root. Ok, est-ce qu'elle va pouvoir s'échapper avec la plante? Oui, elle va s'échapper avec la plante. Attention! Attention, la Arena qui ne respecte pas le Jax. Est-ce que le Jax a son E? Non, il a pas son E. La Tristana qui va essayer de venger son jungler. Oh, ça oh, va passer, ça va passer, super bien joué. La Tristana a super bien joué. Oh. Putain, le Trindamer qui galère. Hein. Le Trindamer qui galère, mais là, la Riven, en fait, le problème, c'est qu'elle a eu un kill, un assist au début de partie. Bah, après, tu peux pas le faire, c'est un champion qui se snowball. Ce qui se passe, c'est la top lane actuellement, c'est... Comment dire? L'un des deux joueurs peut prendre le dessus sur l'autre. Oui. À partir du moment où un prend le dessus, oui. Si l'autre ne prend pas l'armure, il est foutu. Ah, on n'a pas essayé de s'échapper. Je pense qu'on savait qu'on était mort. Ça laisse un petit peu de répit pour le Trindamer qui va essayer de farmer, qui a beaucoup de retard, le pauvre. Mais là, clairement, je pense pas que la Riven soit. Soit bronze silver. Non, non. Ça joue vraiment bien. Ça joue vraiment bien. Evelyn qui a 5-0. Après, Evelyn. Tu vois, c'est la catégorie des champions que t'as pas envie de voir en face. C'est comme un Shaco ou un truc comme ça, parce que ça met tellement une pression invisible, en fait, que tu peux même pas te permettre de faire des trades, parce que tu sais pas où est le jungler, en fait. Et il faut que toute ton équipe ward les camps ou fasse de très bonnes wards. La plupart du temps, c'est quand même assez compliqué. Oh, est-ce que ça va passer? Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire une auto-attaque. La Lux qui va peut-être mourir, le Jax qui
je sais pas ce qu'il fait en 1v3, il se fait complètement chaîne Sissi et il va mourir. Il essaie de faire gagner du temps à son équipe. La Soraka qui va reprendre le kill avec son double buff. Pourquoi pas. On a l'Ardent Sensor pour Soraka. On va peut-être devoir prendre des bots. Le Trinkdammer qui a toujours pas de bot par contre, c'est pas ouf ça. Au moins prendre des bots niveau 1. Hein. Moi j'ai insisté pour que mon équipe achète des bots. On va reprendre les double buffs de la part de H. Et là, bah, c'est j'ai insisté pour que mon équipe prenne des bots et à 15 minutes de jeu, il y en a quand même deux qui n'ont pas les bots malheureusement. Ah oui, on est fait la bot lane. Attention, le Trinkdammer qui s'est un petit peu énervé. Il a le ghost, il a fait un coup critique. Ça va peut-être passer. On est super ralenti, c'est une horreur. On a plus sa rage, du coup il fait. Il a pas fait faire. Oh bien joué, bien joué. Ça, c'est quelqu'un qui connaît son champion parce que moi je l'aurais pas tenté ça. Mais là, il vient de faire un Luke. Il vient de crit là ou j'ai pas compris là. J'ai pas été très attentif, je pense qu'il a crit. À part avec son. Si, il avait. Bah, avec son passif, mais quand même. Bah, wow, une chance sur trois quoi. D'accord, bah GG à lui. Il les a bien retournés. Du coup, par contre, on n'oublie pas pour l'équipe rouge, ne pas abandonner. On est une équipe late game. À 30 minutes de jeu, s'ils font un ace, la partie peut être gagnée. Donc il faut surtout pas abandonner. L'équipe bleue, c'est ce qu'ils veulent chercher en fait. C'est qu'ils veulent vous décourager parce qu'ils ont vraiment une équipe niveau 6, ça va tout détruire. Là par contre, la Soraka qui a vraiment pas respecté la Riven qui est un peu faible. Attention, là voilà par exemple la Lux qui foire son Q. Fallait tout de suite qu'elle recule. Elle pouvait pas se permettre d'avancer encore, c'était évident que la Riven allait se retourner, elle savait qu'il y avait plus le CC et le ralentissement ou le E, bah ça faisait rien. Du coup voilà, la Lux qui devrait juste... En fait la Lux, tu n'as rien à apprendre tout de suite en fait, ça va se faire avec le temps. C'est juste inconsciemment tu vas respecter les distances, ne t'inquiète pas, ça va venir tout seul. Le Trinkdammer qui a essayé de râler. Oh superbe hache de la Riven qui va... De la hache. Oh, oh là là, il y a beaucoup trop de dégâts. C'est intenable. Hein. C'est compliqué. Faut jouer ensemble. Il faut éviter de se faire catch en fait. On se fait un petit peu trop catch facilement là. C'est un petit peu dommage. Allez, on enlève. Après, regarde le Jax. Il est très 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 en retard au niveau du forme de la jungle. Ah là, ouais, il a 4 fois moins de CS. Il s'est fait détruire par la Evelyn. Bah là, il a 4200 gold. Et bah la Evelyn a 3000 gold de plus. C'est presque cool. C'est un peu attention, on focus pas la Soraka. Mais bon, y'a même pas eu besoin de focus la Soraka tellement on faisait de dégâts. La Soraka, faut soigner la Tristana. La Tristana qui aurait pu limite finir la Riven avec son... Ah oui, j'avais pas vu. Elle avait pas d'ult. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas fini. Certes, il y a 10k gold d'avance à 17 minutes. Oui, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas fini. On essaie de tenir... allez, encore 10 minutes. Et y'a de quoi faire. Y'a de quoi faire. L'équipe bleue qui ne perd pas un instant pour faire les objectifs, ils jouent super bien l'équipe bleue en vrai. Ils font les objectifs, ils profitent de leur avantage et ils savent que le late game va être très compliqué. Ouais, la Tristana qui s'est fait directement prendre, il faut faire très attention aux horns. Hein. Vraiment très attention aux horns. La Evelyn qui va pouvoir one shot la Soraka. On va finir sur le Jax. Là, le problème, c'est qu'ils ont aucune vision. Je pense que l'équipe rouge n'a aucune vision. Voilà. Ils ont... Ils ont pas grand chose. Ouais. L'équipe rouge avait très bien ward le red side de l'équipe rouge. Et là, le problème, c'est qu'ils meurent pas par un. Ils sont jamais en groupe. La Soraka qui aimerait en plus qu'il y ait un genre de groupe, en fait, elle aimerait bien soigner, mais à chaque fois, elle se suicide. Bah, elle se suicide. Elle meurt pour son allié. Du coup, c'est vraiment pas ouf. Mais y'a de ça, mais surtout Soraka, la portée de son heal est ultra courte. Bah ouais, elle est vraiment minuscule. Hein. Et c'est la première chose. Et en plus, elle a besoin de mobilité pour suivre ses alliés. Sinon, elle peut pas soigner puisque la portée est courte. Donc en fait, là, elle se contre toute attention, seule. Attention, la hache qui va. Oh, attention, est-ce que ça va passer? Le heal de la hache, le heal de la hache. Oh là 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 là. La hache a très bien joué, elle a fini. Voilà, encore une fois, Soraka qui était là pour sauver son allié, elle va mourir encore une fois parce qu'elle voulait sauver son allié. Tout le temps la même chose, c'est un petit peu dommage. La Lux qui a son R hein. La Lux qui avait son R pour tuer la hache. On va mettre pas mal de dégâts sur Horn, mais là encore une fois des... Oh, très bon ulti de la part de Lux par contre. Bien. On a l'ultime de... Voilà, bon bah c'est encore une fois bien joué.
Mais encore une fois, on est tout le temps en train de se donner un par un de l'équipe rouge. Faudrait juste attendre sous les tours, en fait. Et engager sous les tours, je sais pas, faites... Mais là, si vous allez en plus dans des endroits où c'est pas ward et vous avez pas de vision, vous allez jamais y arriver. La vision, c'est vraiment très très important. En termes de build, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La Riven qui a pris une danse de la mort pour pouvoir... limite un V5, hein, elle pourra pas se prendre de burst, elle va réduire de 30% les dégâts. Mais bon, ça va être sous effet de bleed, mais elle va pouvoir reprendre ses points de vie avec son vol de vie. La Riven qui est partie full dégâts. Je vais rajouter quelque chose sur la danse de la mort. Oui. Si Riven elle se fait attaquer ou qu'elle prend des dégâts, dès qu'elle active son shield, c'est son shield qui prend les dégâts. Et la danse de la mort, la soigne en AOE en fait. Ça aurait bien vu. J'avoue que c'est vraiment très intéressant ça. Orina qui a pris Atine. Alors ça, j'ai jamais vraiment compris l'objet en fait. En fait, Orina c'est un mid laner utilitaire. Et comme elle applique des dégâts, forcément elle charge l'Athène. Et lorsqu'elle va shield un allié, en plus ça va le soigner en fait. D'accord. Du coup ça peut aider la Riven à engage par exemple. Ok. Intéressant. Ça sert à siège, enfin. Okay. Oh là là, les dégâts de Evelyn. Oh, attention, on est sous tour là. Est-ce que la Lux a un ultime? Oh, dommage, la Lux avait un ultime. Quand vous arrivez à Q avec Lux, mettez votre ultime. Même si ça finit pas, ils seront à 5%, ils vont pas pouvoir revenir dans la game en fait. Regarde, la Evelyn s'est permis d'aller sur la Tristana parce que justement. Lux avait pas fait son ultime. Oh non, la Orianna a complètement foiré son ultime. Et du coup voilà, la Lux qui a fait son ultime et qui n'a touché personne. Alors qu'elle aurait pu toucher les deux et engager peut-être un teamfight ou la mort d'un des joueurs. On a plus beaucoup de vie. Ouh. Merde. Le shield qui ça joue bien. Oh là là, la Riven ce qu'elle vient de faire, le Q. Elle est arrivée comme un lapin là. C'est ultra chaud. Non non mais ça... la Riven c'est TDR. Hein. Oui c'est bronze silver les gens hein. Oui. C'est Nitro qui joue Riven, c'est ça? Non. Je sais pas, il est passé gold, si j'ai compris. Non, Nitro, non. Pas Nitro, ça, hein. Pas Nitro? Non, c'est pas Nitro. Gold. Oh putain. Ah, attention, on est mort. Deux morts de l'équipe bleue. On va c'est quand même voir que le. C'est le cop. Que le. Comment ça s'appelle? Ah, d'accord. Le train d'amarre, il a quand même acheté des tabis pour se protéger. La ville qui a carrément fait son ultime. Pour rattraper le Trind. Mais qui va quand même mourir. Pas le Jax. Ils sont marrants. 11-3. 11-3. Je pense que là, tu laisses Evelyn Riven. Je pense qu'il y a moyen qu'ils peuvent 2v5. Oui. Après, le Trind Damer, il est à 7-7. Hein. Faut faire attention parce que là, on est en train de troll, etc. On arrive mid-game, late-game. Voilà, là on a la vision. Le Jax qui se prend pas beaucoup de dégâts. Attention là, il n'y a plus d'ultime de la part de Tristana. On pourrait jump. Non, d'ultime pour la part de Orianna. Tristana aurait pu limite jump. Allez là, faut la tuer là. Elle est en prison de sandwich. Oh, c'était super bien vu de la part de Jax qui a voulu esquiver l'ultime de Orianna en faisant le Q sur un. sur un camp pour esquiver l'ultime. C'était super bien vu ça par contre. Ah. Là il manque 300 gold pour Orianna pour finir le bâton du vide. 300 gold pour le bâton du vide de la part de Orianna. Ouais. Ok. Et ça va faire mal. La Lux qui va partir sur un Zonia. Pourquoi? Oh la vache, les dégâts de la Riven. Ok, on n'a pas eu le team de la part de Tristana. Attends, la Tristana qui respecte absolument pas la Riven qui est super fed. Oh non, ils vont watch. Ok, le silence. C'est bon. Le silence. Ah, c'est bien, ils l'ont réussi. Ça va, ils étaient juste 4, ils ont failli tous mourir contre elle. C'est pas grave. Attention, là, ouais, ça fait trop mal. Ah, dommage. Attention, le Jax qui s'est quand même pas mal positionné. La Soraka qui va essayer de sauver son équipe. Le ralentissement est bien. Attention, on aurait pu se retourner peut-être. Oh, attention, ça se passe bien. Le Horn, je sais pas ce qu'il fait par contre, le Horn. C'est un support, il fait que du speed push et il aide pas son équipe. Je sais pas ce qu'il fait. Alors qu'il a son ultime, il a Flash Ghost, il pourrait tellement être plus utile. En fait, il entend de cueillir des tulipes en fait. Mais parce que là, ouais. C'est pas un speed pusher. Oh, je veux dire, là il est en support. En plus, il a tous les objets support. Il a le loquet. Oui, non, il a tout, mais le rendien. Il a pas les tabis. On s'en fout. Il a au moins des bots. Il fait son ultime. Il fait un le Solari.
ça aurait fait un ace, ils auraient fini la partie. Ça aurait changé la chose, ouais. Clairement. Donc quand vous êtes un support aussi utilitaire que Horn, même la plupart des supports ne vont jamais speed push en fait. Non, jamais non. Un support est toujours avec l'équipe quoi qu'il arrive. Surtout Horn. Faut jamais faire ça. C'est... Horn, merde. Faut jamais faire ça. Le mec il fait 40 CC. Et en plus t'imagines un Horn qui met le debuff pour la Riven qui fait un flash W. C'est complètement fou quoi. Enfin bref. Donc n'oubliez pas ça. Si vous êtes un support, évitez de speed push, ça sert à rien. Après là, le Drake d'Otar pour ton équipe, il est ultra fort. Voilà, parce que Tristana et Tristana-mer, ça push vachement fort les tourelles. Ok, très bon ultime de Horn quand même, qui a fait gagner du temps. Là, faut faire attention, on est que deux. Le Tringdammer qui s'est fait tout de suite exhaust. On n'a pas été bête du Tringdammer, on est tout de suite parti avec le E. Donc du coup, c'est très bien. Et là, je suis désolé. L'équipe bleue commence à galérer. Hein. Si le Horn continue à speed push, il y a un moyen que l'équipe rouge gagne du temps et arrive late game. Et ça, on veut pas ça. Il faudrait au moins avoir un inhib. Voilà, la Riven qui a compris. Oh, très bon Q de la part de Riven, de Lux. On aimerait bien avoir un ultime de la part de Lux, là. Elle aurait dû finir le tour avant. Il y a des coups. Allez, allez. On est 4 sur Riven et on galère. En fait, Riven, je pense qu'elle a pas gardé la vie de la tour. Et du coup, la là, tour, c'est il dommage manque parce que là, le problème, c'est que la Riven... Elle sait ce qu'il faut faire comme objectif, mais elle attend pas son équipe, elle est trop impatiente. Elle sait que le late game arrive très vite. Là dans 5 minutes on arrive à un très bon late game, après on a tellement de retard pour l'équipe rouge qu'on est... Même si on est late game, on a tellement de retard niveau XP, regarde. On est niveau 12 après... de la part de Jax, Riven est niveau 16, bon, Tringdammer est niveau 15. Ah quoi, on n'a pas tant de retard que ça. Là Tristana qui s'est fait complètement one shot. Le Tringdammer qui est en 1v3, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, qui est juste mort. Eu le temps de faire et le horn, on met tout sur caché. Le horn. Très bon Q de la part de Lux. La Soraka qui est complètement out position. Je sais pas ce qu'elle fait là, elle va juste mourir. Je pense qu'elle voulait encore une fois aider son équipe malheureusement. Et bah d'accord, voilà. Ça va sûrement perdre comme ça. Alors niveau vision, qu'est-ce qu'on a? L'équipe pas grand rouge, chose. Pas grand chose encore une fois. On est full trinket jaune pour l'équipe rouge. On aurait dû prendre des trinkets bleus justement pour ce manque de vision. Bah parce des, que, voilà, des on, deux équipes, on va faire ah des non, fait y a ton équipe. Non, il y a la trinket bleue, regarde. Ah, moi je vois aucun trinket bleu de la part de mon équipe. Hein. Y a si, la Lux, elle a la trinket bleue. Ah, si, la Lux, j'ai pas vu. En effet. On voit pas très bien, effectivement. En effet, faudrait peut-être en avoir deux, je sais pas. Ou... Ah, oui, mais c'est parce que la Soraka est pas partie sur la stone, ok, d'accord. Du coup, ah c'est ça que je voulais te poser comme question. En ce moment, il y a beaucoup de junglers qui prennent l'item justement de jungler qui permet de mettre des wards. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? L'item a été nerf ou quelqu'un s'est dit? Non, mais en fait, c'est les wards, tous les joueurs pro la prennent. D'accord. Avec le dewarder. Du coup, bah, t'as une meilleure vision sur la map. C'est ça. C'est tout. D'accord. Après, c'est vrai que quand t'es en solo queue, tu préfères le smite qui fait mal parce que. Pas comment dire. Oh là là, y a pas de team play. Ouais, je vois. Mais des fois, justement, parce que même en solo queue, la vision est tellement importante que je vois souvent des junglers qui font ça. Du coup, là, l'équipe rouge commence à mourir petit à petit. La Riven qui va complètement détruire le reste de l'équipe. La Soraka qui a essayé de faire comme elle peut. La Tristana qui saute sur une Riven au KLM, qui va devoir flash tout de suite après. Bah voilà. La Evelyn qui a fait son ultime pour se casser sans aucun problème. Il va peut-être pas pouvoir réussir à défendre ça. Là en fait c'est un manque de... Un peu de communication de la part de l'équipe rouge. On s'est fait snowball. Après voilà, la Riven elle avait plus de niveau et c'est un champion qui snowball. Et en fait c'est... La Riven si elle jouait un chaîne, ça aurait été toute une autre partie par exemple. Mais les champions qui snowball comme Yasuo, Riven et trucs comme ça, si vous êtes plus fort que votre adversaire, ça va être très fort. Mais si vous avez un niveau équitable, ça va être déjà 1000 fois plus dur. Là, le problème, c'est que bah voilà, c'était apparemment un smurf. Après, je veux rajouter aussi, il y a quand même un petit problème de draft par rapport à ta composition. Bah, le problème, c'est que Tringdammer Jax, en fait, c'est bien d'en avoir un, mais pas deux. Genre, les deux... Ouais, déjà, c'est un peu trop. Il aurait fallu genre un jungler plus tanky, je sais pas, une Sirioni ou... Oui, parce que c'est là, ça, là, il vous aurait avez fallu beaucoup, un tank, parce que quoi, Jax, Tringdammer, c'est deux trucs qui se ressemblent tellement. Vraiment un truc qui initie les fights. Deux briseurs comme une Thierry Vanille, je pense, aurait été bien, tu vois. Par exemple, hein. Une Sejuani. Ou un Maokai, enfin, j'en sais rien. Ouais, bah n'importe quel tank, quoi. Un Maokai aussi, ça aurait été très bien, quoi.
Même un Nautilus, ou, un Nautilus contre Ivan. Ou même une Léona, tu vois. C'est génial, quoi. Une Léona à la place de son. Mais ouais, c'est peut-être. Ça. Léona aussi, ça aurait été très bien. Moi j'ai eu très peur d'une Janna. J'avais demandé à Banjana parce qu'il y avait quand même trois personnages. Bah là, le disengage, j'avoue un Alistar qui dégage une la Riven, ça aurait été bien aussi. Un Alistar, ouais. Après, c'est vrai que Léona, c'est vrai que ça aurait été cool. Bien. Mais il aurait fallu un tank, quoi. Un tank, mais qui soit pas ultra late game. Parce que Jax, il va pouvoir tanker à tard, mais là. Tiens, on va peut-être pouvoir prendre le kill sur. D'être c'est sûr. Evelyn, hop. C'était gratuit. Mais bon, là, la Tristana. Oh, bah la Soraka qui a. Qui ne joue plus. Ah, qui a la tête mentale, peut-être. Même Oriana, elle rigole. Non, hein. Elle était partie prendre un petit sandwich. Elle a oublié ses bottes. La game de 30 minutes. Les erreurs, bah c'est. Pas vraiment d'erreur, le problème c'est quoi, la Riven a snowball. Et le snowball, bah y a pas vraiment grand chose à faire, non, malheureusement. C'est aussi ma team qui avait un peu plus de contrôle et une meilleure synergie. Ouais. Sur un draft. Ouais. Mais après, voilà. Je pense qu'on a un petit peu près tout dit pendant la vidéo, que Lux niveau positionnement c'était pas trop ça. Mais ça viendra avec le temps. C'est vrai que la draft, Tryndamere, Jax, bah c'était compliqué en fait d'avoir deux briseurs qui se ressemblent autant. Il aurait fallu vraiment un tank. Parce que là, le problème, c'est que bah, ils se font tous one shot par la Riven qui est fed. La Evelyn, en fait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et voilà. Et en fait, même le late game aurait été pas si simple que ça. Parce que Horn, avec ses objets, bah, ça aurait donné un bonus en plus. Du coup. Bah là, il est en train de partir sur ouais. Un cœur gelé. Du coup, il aurait réduit l'attaque speed de tout le monde. Ouais. 30%. Ouais, sur le total, hein. C'est pas de l'attaque speed comme l'attaque speed qu'on achète. Du coup, ça aurait pu handicaper l'équipe adverse et ça aurait été compliqué. J'avoue que c'est. Puis l'équipe rouge encore, elle avait l'ulti de H pour le fight, l'ulti Oriana, la Riven dans la main. Enfin, ils avaient trop de dégâts de zone. Il hein. Y a la Evelyn qui allait peut-être un peu plus avoir de difficultés à rentrer dans les fights, peut-être. Mais bon. Mais de toute façon, avec l'ulti de Horn qui a amélioré la lame infinie, le Zonia de la Evelyn, et Ron Solari amélioré, enfin, il allait avoir beaucoup trop de stéroïdes en fait, de la part de Horn. Ouais, j'avoue. Par contre, tu peux regarder le graphe des dommages et tu m'expliques pourquoi Soraka est presque au même niveau que les autres. Pourquoi? Parce que ton équipe n'était pas ultra. Oui, ils faisaient juste mourir à chaque fois, quoi. Ils osaient pas trop prendre les fights en fait, à chaque fois, l'équipe bleue attaquait et tes allies et t'aurais à avoir peur au lieu de répondre en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte à plus haut niveau que les graphiques des dégâts sont à peu près équivalents. Après ça dépend, mais parce que les gens ils se rendent les coups, ils font du coup pour coup en fait, ils savent que de toute façon s'ils frappent pas ils sont morts et qu'ils doivent frapper obligatoirement. Ouais, je vois. Donc c'est. Après le Jax c'était peut-être aussi beaucoup dans la jungle et je l'ai vu beaucoup farm, enfin galérer c'était à farm. C'est compliqué, hein, ils se sont fait snowball, Riven, Evelyn, tu peux rien faire. Hein. En fait le Jax il était beaucoup en retard au niveau du farm je crois, ouais, il a que 40 sbires sur une game de 30 minutes. Oh la vache, ouais. C'est. C'est-à-dire il essayait de farm, mais il n'arrivait pas. En plus, il est parti l'item jungle tank parce qu'il voulait des points de vie. Bon, c'est une erreur. C'est vrai qu'il y a du problème au niveau du farm, là. Et du coup, ça les a mis encore plus... Parce que le problème, c'est que vous êtes un champion late game, et si vous savez pas farm, ça marchera pas. C'est très compliqué. Non, c'est... Mais voilà, bah, c'était une bonne game, mine de rien. la semaine prochaine, du coup, Silver Gold. Du coup, on vous attend sur Discord. Le lien dans la description. Il y aura tout quand, j'espère. Tu seras là la semaine prochaine. La semaine prochaine pour l'event. Ouais. Oui, je très serai bien. Là. Parfait. Du coup, merci beaucoup tout quand d'avoir été là. Tu nous as encore appris plein de trucs. C'est vraiment super cool que merci tu sois là. Merci, Conaï. Et puis les gens, merci d'avoir participé. Soyez indulgents avec les joueurs. C'est du bronze, silver. On est là pour s'entraider et de jouer dans l'amusement. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Au revoir. Passez une bonne soirée.